Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Le salon de l'automobile de Montpellier, le salon 2013, en ce mois de novembre, organisé par le CNPA et le groupe Midi Libre, avec des nouveautés et de vraies nouveautés au salon de l'auto. Pour exemple, cette Q50 de chez Infiniti. Infiniti, c'est la marque de luxe de chez Nissan. Le Q50 sera commercialisé en début d'année 2014. Mais quelle est-elle, cette nouvelle voiture que l'on nous présente ici au Salon de l'Auto? Alain, qui représente Infiniti, est là pour nous en parler. Bonjour. Bonsoir. Infiniti, c'est la marque de luxe de chez Nissan, créée dans les années 80 aux États-Unis et maintenant en Europe. Voilà, tout à fait. C'est une marque qui est importée depuis 2008 donc en Europe et depuis 15 jours. Donc depuis début novembre, donc le groupe Alliance Automobile de Montpellier donc, a créé cette concession. Aujourd'hui, nous présentons en avant-première le Q50. C'est un véhicule, la seule présentation était au Salon de Genève. Voilà, donc aujourd'hui, ce véhicule est devant nous. Il est motorisé par un 4 cylindres diesel, boîte 7 rapports, des moteurs et boîtes de vitesse donc, de notre partenaire Mercedes. Voilà, et donc c'est un véhicule qui devrait permettre à Infiniti d'avoir une visibilité aujourd'hui sur le réseau. Parmi les modèles de luxe présentés ici, Alain, la Q50 se démarque avec quelles caractéristiques? C'est une berline donc 4 portes, donc moteur 2 litres 2, 170 chevaux, qui rejette aujourd'hui 114 grammes de rejet de CO2, donc c'est très 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 important. Pour nos amis professionnels hein, qui recherchent des rejets de CO2 très faibles. Véhicule très spacieux qui fait 4,79 m. Dans un tarif de véhicule aujourd'hui qui commence à 34 500. Voilà, donc face à nos confrères germaniques, nous sommes très 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 bien placés. Bonne autorisation, un véhicule exceptionnel. La Q50 de chez Infiniti est à découvrir au Salon de l'Automobile 2013, ici à Montpellier. Merci Alain. Merci. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.